Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Creatures of Ava. Je vais vous le dire à chaque fois, mais j'ai toujours mon nez mort par les allergies. Ça s'améliore un petit peu là, mais c'est toujours pas le top. Là, il a plu légèrement, donc il va y avoir un peu moins de pollen. Alors, on n'est pas sur une vidéo découverte. J'ai joué un petit peu. Alors, j'ai dû jouer une heure. C'était histoire de faire l'intro et de voir ce que ça donne. Donc, le but du jeu, en gros, c'est qu'on est, plus ou moins arrivé par accident, on peut dire. Enfin, pas de la manière dont c'était prévu, sur une planète qui est en train de plus ou moins tomber malade, on va dire. Et on est là pour sauver des créatures. Dans ces créatures, il y a aussi des habitants, on va dire, qu'on va appeler des créatures aussi. Et eux, ils veulent pas y croire à ça. Et leur chef, le chef de village, veut pas y croire à ça. Et donc, on va devoir sauver des animaux. Parce qu'on peut plus faire grand-chose sur cette planète, malheureusement. Et en termes de gameplay, on a un bâton. Attendez, regardez. Vous voyez, lui, quand je sors ma flûte, vous avez vu, il a fait un... au-dessus de sa tête, là. Voilà. Ils ont... En fait, au-dessus de leur tête, vous avez des notes qui s'affichent, et il faut refaire les mêmes. Et ensuite, ils vous suivent. Et là, ce que je peux faire, c'est me relier avec... Et je le contrôle, et si jamais là, lui, il peut faire bélier, par exemple. Pour casser des barrières ou ce genre de choses. Et ça peut être utile dans le monde dans lequel on est. Ensuite, on a... Alors, tous les robots de sauvetage sont en place. Ah oui, il y en a un là. Donc, attendez. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, comme ça, eux, ils vont me suivre. On va pouvoir tout de suite les emmener là. Et on va pouvoir les téléporter. C'est un peu le bordel. J'ai un bâton aussi, ce bâton. Je vais vous montrer parce que vous voyez les créatures qui sont là-bas, elles sont infestées, on va dire. Là, il faut que je fasse ça. Oh, je me suis fait toucher. Ouais. On va essayer de faire attention. Parce qu'en fait, j'essaye d'utiliser ma compétence en même temps, là. Parce que j'ai amélioré... Putain. Hop, on va se soigner. Tant pis pour la compétence, on va pas l'utiliser maintenant. Et là, je peux faire les deux en même temps. Là, vous voyez, en fait, je double la puissance de mon rayon quand je fais ça, avec le X. Ah. Mais là, je joue un peu n'importe comment. Hein. Et voilà. Et là, on peut flûter. Et ils vont me suivre. Oui, on peut flûter, j'ai dit. Hein. Ils vont me suivre. Et on peut les téléporter. Et donc, on aura des zones comme ça. Avec des animaux à sauver. Alors, bien sûr, il n'y aura pas que ça à faire. Mais ça, c'est une partie du gameplay. Du jeu. Je ramasse les plantes. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi elles servent, mais... Là, il doit y avoir une fleur quelque part qu'il va falloir que je casse. Faut que je regarde si j'ai pas moyen de passer de l'autre côté en passant par ma propre base. Mais ça m'étonnerait. Alors. Mm-hmm.
Eh oui, parce que forcément, eux, ils nous comprennent pas trop quand même. Ils fabriquent quelque chose avec nous. Nous voulons juste voir une humaine à l'œuvre. D'accord. Fabriquer des consommables dans les feux de camp en utilisant les ingrédients. Voilà, je me demandais depuis le début à quoi servaient les plantes. Je me suis dit, elles doivent bien servir à fabriquer des choses depuis le début, mais. Et je me demandais quoi. Et je pense des potions, certainement. On va faire ça. On va retourner voir le zozo là. Regardez là-bas, il y a des créatures à soigner. Allez, on a récupéré la branche parce que là, en fait, il faut que je récupère des branches. Oh putain! Oh la vache! Ah ouais, l'autre il passe sous terre là. Viens ici, salopard. On va essayer de les avoir comme ça. Vous voyez, c'est plutôt. Original et je trouve ça plutôt sympa. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne tourne pas que autour de ça. Ils me suivent là? Ouais, c'est bon. Allez. Téléporter. Il y avait le espèce de cheval là, il est là-bas. Allez, viens avec moi. Parce qu'ils veulent pas me croire quand je leur explique que leur planète elle est en train de partir un peu en vrille. Après, faut qu'on aille là-bas. Il y a cette fleur là. On va essayer de lui casser la gueule. Peut-être que maintenant je peux avec mon rayon. Non, je peux toujours pas. En fait, je vais vous montrer ça aussi. Bah, on a un arbre de compétences, vous voyez. Qui est bien rempli, hein. Donc, tout ça, c'est des points d'expérience à gagner en faisant bah, ce que j'étais en train de faire là, par exemple, en capturant des... Enfin, en téléportant des animaux, etc. C'est pour ça que c'est important de le faire. Sinon, ça fait partie des mécaniques du jeu, donc ce serait bête de pas faire ça, puisque c'est un peu le but numéro 1. Donc, pour l'instant, cette plante-là... Je peux pas m'en occuper. C'est pas grave. Faut qu'on aille dans la direction là-bas. Faut qu'on récupère l'autre branche. En fait, là, faut que je récupère des sortes de branches. Ces branches. C'est un peu comme des invitations pour une sorte de fête pour les créatures qu'on a vues avant, à qui j'ai parlé là. C'est comme ça qu'ils s'invitent, on va dire. Donc on va respecter leur tradition.
Et on va faire comme ça. Écoutez. Il doit y avoir les animaux qui correspondent. Ah! Toi là, viens avec moi. Ici. Ceux-là, normalement, ils peuvent griffer. Hop, voilà, comme ça. Hop là, téléporté. On va essayer de faire ça. Je vais me soigner par contre, parce que j'ai pris un peu cher. Je m'attendais pas à ce que les oiseaux, ils me... Allez, viens là. Venez là tous les deux. Je vais vous sortir de là. Allez, le deuxième aussi. Hop. Il y en a d'autres en bas. Il y a une espèce de petit cochon là aussi. On va voir si on peut tout choper. Allez, viens avec moi. Ah, ça veut me sélectionner l'hôte absolument. Là. Voilà, moi je veux l'oiseau. Là. On va emmener l'oiseau d'abord. Ensuite, on ira chercher les petits cochons. Enfin, les petits cochons, j'appelle ça des petits cochons. C'est pas vraiment des cochons, mais... Hop. Ah, je sais, depuis tout à l'heure, en fait, j'étais parti pour faire quelque chose. Au final, on fait autre chose. J'ai pas vu. Allez, venez avec moi. En fait, c'est ça, le problème, c'est que... J'étais parti pour aller chercher les bâtons, là, vous savez. Comme je vous ai dit. Et puis bah, je croise plein de créatures et puis le robot là, donc je me dis bah pendant qu'on est là, autant faire ça, puisque c'est un peu le but du jeu aussi de faire ça. Et du coup depuis tout à l'heure je vous montre que ça. Mais en même temps, je peux pas vous mentir sur ce qu'est le jeu, c'est principalement ça. Et donc là on a un point de compétence. Je vais le garder, j'améliorerai ça après la santé là. Parce que vous l'avez vu, quand on prend un coup, on prend rapidement cher quand même. Donc je vais le garder. On va aller voir par là-bas. Là, il y a un téléporteur, ça c'est bien. C'est quoi ça? Tu veux de l'autre côté, ok. Salutations. Prends la branche de bienvenue et va-t'en.
voilà, vous voyez, il y en a certains qui nous aiment pas trop quand même. Mais bon, ils se rendront compte à un moment donné que là, pour le coup, on a raison. Pour une fois. Après, je peux comprendre qu'ils aiment pas les humains. Hein. Depuis le début, tous ceux qui m'aiment pas, ils me disent « Les humains, vous êtes égoïstes, les humains, machin, bah... » Je suis désolé de le dire, ça ressemble quand même vachement à la description d'un être humain. Ok. Il y a un petit village là. Allez, viens avec moi. Non, toi. Mais, ah, ça par contre, c'est un peu chiant. Voilà, c'est de lui dont j'ai besoin, là. Quoique... Ah, normalement, avec l'oiseau, ça aurait marché aussi. Mais pour casser ça... Et on va aller là-bas. Avec tout le monde. Et hop là! Téléporté, les gars. Un autre en bas, d'accord. On a aussi un appareil photo, je vous ai pas montré. J'aurais peut-être dû en... Non, c'est bon. Oh là là, vous avez vu les dégâts qu'on prend? Oh la vache. J'allais dire, en plus là je vois pas où sont les autres. Du coup c'est un peu dangereux. Voilà. Maintenant, je vais flûter et vous allez me suivre. Hop là. Allez, vous venez avec moi. On descend au téléporteur. Après, évidemment, faut aimer ce genre de choses. Mais moi, en plus, je trouve que visuellement, c'est assez joli. Donc, moi, personnellement, je trouve ça sympa. Après, est-ce que je vais faire ça pendant 10 heures, 15 heures, j'en sais rien. Mais je sais pas quelle est la durée de vie du jeu, déjà. Donc... on va pas commencer à parler d'une info qu'on n'a pas, enfin, que moi j'ai pas là tout de suite. Hop, on va activer cette tyrolienne, on récupère les plantes, c'est important. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc pour cuisiner, mais là, c'est quoi? C'est un feu de camp? Ouais. Ok. Allez, merci. Viens avec moi. Boum.
On va l'emmener jusqu'au robot. Et on va le téléporter. Allez, mon petit gars. Je suis désolé, mais c'est beau quand même. Moi, j'aime beaucoup, perso. Venez, vous deux. Allez, venez avec moi tous les deux. Allez. Venez tous avec moi. Tous les cochonous là. Allez, venez avec moi. Pourquoi ils veulent pas me suivre? Ça va être une galère, par contre, s'ils veulent pas me suivre comme ça. Il y a un autre là-bas à 100 mètres. Ah, parce qu'ils restent dans cette zone-là, c'est ça. Et je pense que pour les emmener, on va être obligé de passer devant les autres, là. Allez, venez. Ils sont bloqués par le pont. Ils n'arrivent pas à me suivre à cause du pont. Ah, parce qu'on arrive à leur limite, peut-être aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais il faut que j'aille jusqu'à l'autre robot là-bas. Quand même, avec eux. Mais j'ai vu qu'entre deux sur la route, il y avait ceux-là. Ouais, on va se dépêcher d'attirer un maximum là. Et hop là! Hop. Oh là là, merde. Ah, double esquive, double esquive. Allez, il va y en avoir un au moins à gérer déjà. Le petit cochon là. Il a rien demandé, le petit cochon. Il s'est retrouvé pris au milieu de la baston, il avait rien demandé. Allez, venez avec moi.
Ouais, c'est encore pas les mêmes. Allez, venez avec moi. Hop. On va aller chercher les autres là-bas. Bon, du coup, ouais, on vient de passer la demi-heure déjà, et puis on n'est même pas arrivé au bout de l'objectif. Vous voyez, la vie qu'on perd, par contre, il faut faire attention. Hein. Non, ça serait bien que l'autre il se barre pas trop loin. Comme ça, je peux les récupérer directement tous les deux. Allez, hop là! Là-bas, il y en a encore deux. Et puis là-bas, il y a des machins sous terre. Il y a aussi des oiseaux. On va finir cette zone, puis on va s'arrêter là. Hein. On va essayer de choper tout le monde en même temps. Ce serait bien, puis on va s'arrêter là parce qu'on a passé la demi-heure quand même déjà. J'ai réussi à avoir mon point de compétence. On va aller faire... Pourquoi je peux pas... Ah, c'est autre chose qu'il va falloir avoir, d'accord, ok. Alchimiste, roulade. Ouais, ça peut être pas mal ça. Hop, la concentration, je l'avais vue tout à l'heure déjà. Oula! Allez, venez tous avec moi. Venez tous jusqu'au robot. Et hop là, et lui c'est bon. C'est fait. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je vous en ai montré suffisamment. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre si vous jouez au jeu. Il est disponible dans le Game Pass. Donc, à vous de voir si ça peut vous plaire. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.